on se retrouve pour le dernier match de l'épisode face au Maccabi Paris comme prévu. Donc on connaît pas notre adversaire parce que le tirage est là. Et comme il n'y a pas de troisième match, je vous montrerai donc le tirage. Voilà. Alors, Maccabi Paris à l'extérieur, on enchaîne, hein, on enchaîne les déplacements. Du coup, il n'y a pas grand-chose à changer. Hein, bon, c'est difficile de faire jouer tout le monde. C'est pas non plus flamboyant. Kébé, ah bah ouais, mais bon, Kébé, ouais. Ah là là. Enfin bref. Bon. Ouais, c'est vrai. 6,68, c'est pas flamboyant, mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mara, c'est vrai que Doumbia a fait un bon match. Mara m'a fait peur quand même au match précédent. Donc on va mettre Doumbia. On va quand même. Bah comme ça fait un petit peu souffler Mara. Bon, on donne encore une chance à Kébé. Peut-être qu'il va se réveiller, on verra bien. Allez, on y va, on est parti. Du coup, ouais, j'avais oublié de montrer le classement. Ah bah tiens, justement, il est là. Comme ça va être pratique. Au moins, je vais pouvoir vous le montrer. C'est rapide, c'est fait, tranquille. Actuellement, on est troisième. Hein. Vous voyez que c'est pas foutu. Hein. La place de barragiste, au pire, on va essayer de choper ça. Parce que bon, Oiselle se sont envolés pour l'instant. Hein. Donc, on va essayer de choper cette deuxième place qui est à un point détenue pour le moment par Bourges. On est suivi de Maccabi. Donc là, c'est un peu un match quand même un peu capital tout de même. Parce qu'ils peuvent nous passer devant en cas de victoire ou juste prendre un point au cas où. Bon. Et nous, on peut passer deuxième si on fait. Juste match nul, je crois, on passe devant puisqu'on a plus 7 et plus 2. Si on gagne, bah tant mieux, ça fera toujours ça dans la besace. Hein. Faut pas oublier Évreux aussi derrière et la réserve d'Avranches aussi. Bon. Alors, donc le Maccabi Paris qui vient dans une compo similaire à la nôtre. Donc ça va être un travail de tout instant. Alors, monsieur Patrick Lem. J'ai pas encore. T'es toujours pas confiant, non, ça, non. Allez. Hop. Alors, beaucoup de gens sur l'équipe, souvent de manière très injuste. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais bon, c'est pas grave. Allez. J'ai misclick. Lol. Allez. On est parti. Ouh! Ah, bah, yon. Ça passe, là. J'ai pas retenu le nom du stade là qu'utilise le Maccabi Paris. Vue d'ensemble, est-ce qu'on peut le savoir? Non, 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 c'est un parc des sports de la communauté de Marleville, Saint-Denis. Ah, d'accord. Terrain. Ok. Ok, bon à savoir. Alors, Thibaut. Ouais, vers le ballon, attention. Un peu limite les couleurs en face. Enfin bon, non, ça va, c'est visible, mais c'est juste pour être tranquille quoi. Ils auraient pu jouer en blanc par exemple. Kébé. Dommage. Moreira. Pouvoir dégager son équipe tranquillement avec Choubani. Merci. Allez. Bilo, Kébé. Kébé, faut changer. Ouais, voilà, changer de côté. Parfait. Avec Verdun. Verdun, le centre. Et Kébé. La réaction de Kébé. Voilà, on a bien fait le laisser. Papa Hibou Kébé marque son but. Voilà, et du coup, on prend la deuxième position. Ça c'est bien, bravo Vardin, pardon, pas Verdun, Vardin, super centre tendu. Et Québec qui surgit pour mettre le but à Leroux. 1-0. Bien. Allez, on enchaîne. Attention, contre-attaque. Mitossian, je crois. Attention, Ben Saada. Oula, frère. Il a essayé, il a tenté. Heureusement, c'était pas dans les cadres. Allez. Ben Saada avec Daske. Tranquille. Doumbia. Pour. Valentin, attention, Thibaut, Kébé. Kébé, il a trouvé la solution avec Vincent. Est-ce qu'il a vu l'appel? Non, il n'a pas vu l'appel de Vardin. S'il l'a vu. Vardin, une nouvelle fois, tout seul, le centre. Oh là là, dommage, c'est pas fini. Oh. Le hors-jeu, c'était n'importe quoi. Allez, c'est bien là ce qu'on fait. On va les encourager. Parce que là, on fait un gros match pour l'instant. Franchement, faut le dire. Alors, coup franc, Vincent. Pour Afidi, le bon ballon pour Bilo. Pour Vardin, une nouvelle fois tout seul, c'est pas possible. Le centre, Vincent pour Bilo qui marque. Oh là là. C'est dommage qu'il soit pas retourné dans ses propres buts, ça aurait été rigolo. Alors, Thibaut. Non, Thibaut. Oula, attention, Moira. Choubani. Long ballon pour Missurian. Bon, cette fois-ci, il a réussi à faire peur à l'attaquant, heureusement. Il nous a fait peur à nous aussi. Vincent pour le coup franc, la tête, c'est pas fini. Thibaut, non, Varda!
Golasso! Alexandre Vardin, il ouvre son compteur but. Le latéral. Oh l'action. Vincent pour la tête, ça revient. La tête de Paul. La frappe de Thibaut contrée sans faire exprès. Vardin qui, hop, tranquille, premier poteau. Sans pression. Bah quoi? Ok, 2-0. Ça c'est bien. Voilà. On continue. S'il te plaît, tu me laisses encourager, voilà. Laisse-moi encourager mes joueurs. Bon, mi-temps, 2-0. Parfait, l'esprit est génial sur le terrain. On va leur dire qu'il faut continuer, que c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Continue ainsi. Voilà, parfait. Là, on touche à rien. On y va, c'est parti. On en remet une petite touche. Et voilà. On est parti tranquille. Choubani. Attention. Choubani. Oh, et bien repris par Vasseur. Tranquille. Voilà. Pour l'instant, ça va. Bon, allez. Maintenant, on enchaîne. Tranquille. Hein, pas de pression. On fait pas d'erreur. Comment ça? Alors, est-ce qu'on pourrait faire un changement? Attendre un peu, peut-être. Le roux. Attention, le ballon là. Fais pas de bêtises, Vasseur. Il cherche une solution dans l'axe. Bravo, comme d'habitude. Heureusement, c'est pour. D'accord. Ahem! Trois fois. Hein. Trois erreurs professionnelles en peu de temps. C'est bien, hein? C'est beau. Au secours. Alors, bon, sérieusement, Afidi, tu laisses ta place à Nkoussou. Crétin, tu vas rentrer à la place de Bilot. Allez, on y va. C'est dommage, Doumbia, tu fais un si grand match. Fais pas de bêtises, mon homme. Comme tes camarades, allez-y doucement, les enfants. Vincent. Allez, Thibaut Vincent. Pas mal ça, Nkoussou. Tranquille, les gars. Doumbia, c'est bien. Allez. Oui. Attention, la contre-attaque. Il est parti dans l'espace coréen. Ouais. Comme d'un fin de match, on va enlever ça. Conserver le ballon. Vasseur. Crétin. Thibaut. Vasseur, le bon centre. Kébé, oui. Pris en tenaille par la Poral. Qui fait penalty. Alors, il est très généreux. Il a dû avoir un petit contact, j'en sais rien. Moi, je m'en fous. Vincent sur le pas de tir. Allez Vincent, pas de conneries hein. Ah là 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 là. Ouais, Stéphane Vincent. Bon, pas grave, pas grave. Faut pardonner. Y a rien. On avait le 3-0 au bout des pieds, mais c'est pas grave. Franchement, Oisel, je crois que ouais, ils sont bien partis à moins de faire une erreur. Oisel, je crois qu'il va être champion et nous on va devoir se battre comme des lions pour choper la place de barrage. Et Doumbia, fais gaffe, pas de carton rouge, ça serait con quand même. Normalement la dernière seconde. Et voilà, c'est terminé. Score 2-0. On gagne deux fois à l'extérieur. Bravo les gars. Super. Voilà, ça fait deux déplacements qu'on manie d'une très bonne façon. Bien manié. Mené, manié. Ouais, bon, on s'en fout. C'était cool. Franchement, ouais. Gros match. Bon. C'est quand même fait peur quelques fois. Mais bon, allez, on va dire que. On va mettre ça sous le coup de la pression. Voilà. C'est sous le coup de la pression. Quand même, putain, 5-0. Oh, Bourges. Oh. Aïe. On appelle ça Bobo. Bon, quand t'as Nkololo, Toufou, Diallo. C'est sûr que ça aide, hein. Ah, bah oui. Ça, c'est sûr. Bon. Ah, ils en ont mis une tartine. Rapport ouais, sur Afidi. Pourquoi on lui apprend de défenseur central là, j'ai pas compris. Place en match. Devrait bénéficier de temps de jeu en défenseur central. Tu veux foutre Afidi en défenseur central, toi? C'est sûr, 13 en tac, d'accord, hein, je veux bien, 13 en tête, c'est sûr. Je sais pas. Pauvre gars. Le foot défenseur central. Pire que Wayne Rooney, tu sais. Allez, encore une amende parce qu'on a eu un carton jaune. Va te faire foutre. C'est bien les cartons jaunes. Voilà. Oh là là, cette discrimination des cartons jaunes, c'est pas possible ça.
Bon bah les amis, nous on va se retrouver pour le tirage de la Coupe de France. Ah, tout de suite. Bien, donc on se retrouve pour le tirage du sixième tour de la Coupe de France. Donc sixième tour. Alors, ce sixième tour, qu'est-ce qu'il rapporte? Eh ben il rapporte pas mal de sous-sous, hein. Si on perd, c'est 13 500 euros, ce qui est pas négligeable. Et 30 000 euros, quand même, ça fait du bien. Surtout quand vous êtes dans le caca, dans un petit caca financier, ça peut aider. Alors, voir le tirage. Donc là, sixième tour, on est encore pas mal. On est 136 équipes. Donc on va essayer quand même de faire plutôt vite. Ah, le tirage automatique, on verra ça quand on sera dans les tours un peu plus élevés, qu'il y aura un peu moins de clubs. Donc c'est parti. Ouais. Intéressant. D'accord. Ah, Istres. Ouais. Eux aussi. Et banqueroute financière. Voilà. Eux, ils sont carrément tombés bien plus bas. Alors, pour l'instant, c'est. Ouais. Ah, Lyon l'a du cher. Bon, ça va. On a évité Lyon l'a du cher. Ah, bah, ça va. On a évité Bastia aussi. Parfait. Ouais. Oh, bah, alors, l'Avignon, pareil. Ouais. Pour l'instant, on s'en sort bien. Ouais. Oh bah ça va, on a évité l'Inter national. Ah bah tiens, j'avais pas vu. Oh bah merde. Bon bah écoutez, on va devoir commencer à faire des exploits. Voilà. Donc on recevra à domicile le la Berrichonne de Châteauroux. Eh oui, Châteauroux. Et ouais, actuellement 12e en championnat national. Donc ils sont peut-être pas en grande forme. Mais c'est quand même un club de national, un petit peu plus élevé, un petit peu plus puissant. Même au niveau des joueurs, peut-être ça quand même, ça doit quand même taper un peu. Ouais, vous voyez quand même, gardien pas trop mal. Correct. Angoula quand même. Angoula, pas trop mal hein, quand même. Bon, pour un très vieux joueur, 35 ans. Ouais, pas trop mal. Ouais, c'est franchement. Oh là, quand même. Belle stat pour ce joueur. Ouais, quand même. Ouais, voilà. Hein. Ouais, quand même. Oh, quand même. Quand même. C'est pas mal, quand même. Hein. Puis l'attaque. Ouais. Maxime Blanc, quand même. Ouais, c'est pas trop mal, hein, franchement. Un peu le recrutement. Ouais. Donc, Rogia. Oh là là. Ah ouais, d'accord, quand même, c'est. Ouais, hein. Bon, écoutez. Franchement. Allez. Bah, écoutez, on va le faire. On peut le faire, hein. Châteauroux, c'est faisable. Allez, on peut y arriver. Ça va être compliqué, mais c'est notre premier défi. Voilà, c'est notre premier défi. C'est quand même. On peut le faire. Hein. Ça va vraiment pas être simple. Mais bon, ça aurait pu être pire, hein. On aurait pu tomber, je sais pas, moi. Hein, sur. Je sais pas, moi. J'en sais rien, moi, Quevilly-Rouen. Enfin, voilà. Après, on s'en sort pour l'instant, mais attention. Quand même, Châteauroux, ça va être chaud. Hein. Bon, le reste, voilà. Franchement. Ah, ça va. Ouais, franchement, ça va être hard. Hein. Quand même, ça va être hard. Mais bon, on accueille, voilà, le mardi 8 novembre. On accueille donc la ch Châteauroux à la maison. Voilà. Bon, on va essayer de faire notre mieux. Donc, ce match a été placé, ben, pas très loin. Oh, oh bah ça alors. Bah écoutez, ce qu'on va faire pour le prochain épisode. Parce que bon, quand même, ça fait que 2 matchs de passé. Donc comme j'ai dit qu'on allait quand même avancer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que le prochain épisode commencera avec Châteauroux. Et puis on avancera un petit peu, je pense, selon Châteauroux. Voilà. L'épisode avancera selon Châteauroux. S'il faut, bah ça sera un épisode très court d'un seul match. Voire peut-être deux pour Aubervilliers, on verra bien. Mais voilà, ça dépendra du match face à Châteauroux. Donc bah, on va faire le petit point sur le classement quand même. Donc on est deuxième, 21 points, c'est pas trop mal, on s'est bien rattrapé. On est en embuscade, mais on est quand même à 5 points de Oiselle qui s'envole. Mais bon après, franchement, si déjà on arrive à se qualifier pour les barrages, qui quand même est déjà pas trop mal, hein, on aura quand même une chance de pouvoir passer en CFA grâce au barrage. Après, il faut quand même faire gaffe à Bourges derrière, la réserve de Caen. On a quand même les réserves derrière nous, c'est une surprise que normalement les réserves sont un peu favorites, mais.
Mais pour l'instant, on s'en sort très bien. Les deux derniers, c'est Drouet et la réserve de Quevilly Rouen. Bah, les amis, on se retrouve donc la prochaine fois pour ce match de Coupe de France. Très, très compliqué, mais important. Face à Châteauroux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, commentaire, pouce bleu, Twitter. Si vous voulez acheter le jeu, tout est dans la description. On se retrouve très bientôt donc pour un nouvel épisode. Alors oui, on m'a parlé aussi, oui, oui, y avait un truc sur les kits et tout ça. On verra, c'est pas le plus important, mais on verra, on verra. J'irai voir pour peut-être la prochaine fois. Allez, salut à tous les amis, à la prochaine. Et puis surtout, hein, portez-vous bien.